Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la formation. L'idée étant de faire connaissance avec les acteurs clés de la formation professionnelle en France, de discuter autour des tendances du secteur et puis de partager de bonnes pratiques. Armeline Leguet, vous êtes notre première invitée. Vous êtes responsable du développement des compétences et de l'ingénierie pédagogique au sein de Chronopost. Et donc, vous avez la charge du développement des compétences, de la formation d'environ 5000 salariés. Vous avez toujours travaillé dans le secteur de, du développement des compétences euh, depuis le début de votre carrière. Euh, quelles sont les, les évolutions que vous avez pu observer euh, tout, au, tout au long de votre aventure professionnelle Bonjour Grégory, déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour ce tout premier rendez-vous. Ce sont des paradigmes qui ont quand changé, en effet, avant... De nombreuses réformes qui ont eu lieu, il y avait vraiment une logique de coût. On avait une obligation de former nos collaborateurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de développement de compétences. Nous devons faire en sorte que nos collaborateurs disposent de la bonne compétence au bon moment. Rien que le terme des métiers sont différents aujourd'hui. Pendant très longtemps, nous avons eu des responsables de formation. De plus en plus, on découvre des responsables LD, on parle de learning, on parle de digital. Donc, L'essence même du métier, avec le nom du poste, donne des exemples de ces modifications, exprime ces modifications et ces évolutions. Euh, la formation, du coup, n'est plus forcément le seul levier de développement des compétences, hein, c'est ce que, ce que vous dites. Alors, en effet, quand on parle de learning, si on fait une traduction française, on a tendance tout de suite à penser au terme formation, mais dans formation, il y a l'apprentissage, il y a l'apprentissage sur site, on parle beaucoup de la feste maintenant. Donc, la formation n'est hein, plus seulement... Euh, la vision qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années avec des apprenants qui étaient dans une salle, avec un formateur qui dispensait une formation. Là, on va avoir de l'auto-formation, on va avoir l'apprentissage par la vidéo, on va avoir l'apprentissage, comme je le disais à l'instant, par la mise en pratique. Donc, en effet, c'est la formation dans un sens compétence, qui est en effet un formidable levier, d'une part pour intégrer nos collaborateurs. Pour leur permettre une mobilité au sein de l'entreprise et puis tout au long de leur carrière, leur permettre de développer ces fameuses compétences. Alors, Armeline, vous avez intégré Chronopost en mars 2020. Comment est-ce que vous avez vécu cette période, cette crise sanitaire et ces confinements successifs chez Chronopost et pour la formation en particulier Toute la partie de livraison de colis, de traitement de colis, n'a jamais cessé pendant toute cette période-ci. Il n'était pas forcément simple d'accompagner nos collaborateurs sur le développement des compétences. Toutefois, nous l'avons fait. Cette crise, on l'a pris, on l'a vécu vraiment comme une opportunité. Une opportunité, bah, peut-être, d'intensifier un petit peu plus les modifications dans nos pratiques pédagogiques. Ça passe par de la digitalisation. Hein. Beaucoup l'ont fait, euh, on... que ce soit des prestataires externes ou au sein même des entreprises. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est qu'en interne, nous avons déployé au maximum des formations au format classe virtuelle. Armeline, avez-vous des, des illustrations plus concrètes de ce que vous avez mis en œuvre en termes de, de parcours pendant cette période de, de confinement oui, tout à fait. Déjà sur des formations externes, nous avons pu continuer à déployer des formations, dont l'une qui est la prise de parole en public. Alors nous avons été très surpris parce que c'était une formation au départ où on s'attendait vraiment à un besoin, une nécessité d'avoir du présentiel et il s'est avéré que les retours ont été extrêmement positifs et que la manière dont a été abordée pardon, la formation en distanciel s'est avérée parfaitement efficace et j'ai même des collaborateurs qui sont dans ma propre équipe, qui ont suivi cette formation et qui m'ont dit on a même oublié en fait que nous n'étions pas réunis physiquement et la formation s'est très très bien déroulée par ce biais-là. En interne, nous avons euh, déployé une formation avec euh, ma collègue euh, du recrutement et de la mobilité au sein de Chronopost et une personne également de la direction commerciale à destination des managers commerciaux sur comment recruter. Cette formation, elle a été conçue, produite au niveau de nos équipes et elle a été dispensée sous format de classe virtuelle par mes deux collègues qui ne sont pas formateurs de métier mais que nous avons accompagnés et cela a permis de former euh, de, faire, de réaliser huit sessions euh, sur cette thématique-là. Okay, donc vous avez assuré euh, la continuité euh, pédagogique. Hein, ce qui d'ailleurs m'amène à, à ma prochaine question, hein, qui n'est pas une, une affaire euh, simple hein, cette histoire de continuité pédagogique, et en particulier peut-être chez Chronopost. Là on vient de passer la période Black Friday, euh, on va enchaîner euh, très vite sur, euh, sur Noël. Euh, donc c'est une période, j'imagine, très intense euh, pour, pour vos équipes. Euh, donc ma question, c'est euh, euh, comment faites-vous euh, pour former en un minimum de temps des populations qui sont très dispersées géographiquement et puis qui sont euh, bah, très centrées sur, euh, sur l'opérationnel La grosse problématique chez nous comme chez plein d'autres entreprises, c'est de bloquer la production pour assurer la formation. Donc on travaille de plus en plus sur des parcours avec du e-learning afin d'appréhender des des connaissances plus réglementaires, plus procédures, process, etc. De la vidéo, des vidéos de témoignages, des vidéos de process aussi qu'on a pu mettre à disposition des collaborateurs. De la classe virtuelle, quand il est difficile pour nos formateurs de se déplacer, ça la permet de regrouper les collaborateurs sur un temps beaucoup plus court, mais de dispenser la même qualité de formation. Et de garder bien évidemment aussi la présence physique de nos formateurs sur de la mise en pratique, sur de la manipulation, sur du questions-réponses qui vont être faits à ce moment-là. Donc on ne va pas faire plus court en termes de durée de formation dans le temps, mais c'est sur du temps de présence où on a décidé de raccourcir ces temps de présence à l'aide de ces différentes modalités pour pouvoir faire en sorte que le parcours bah, permette un apprentissage plus serein avec moins cet effet mille feuilles de compétences hein, que l'on connaît tous ou que l'on a tous connu et ainsi permettre aux collaborateurs de pouvoir mettre en pratique, avant d'avoir sa prochaine session de formation, sous divers formats, rapid learning, e-learning, classe virtuelle, vidéo, enfin. Maintenant, là encore, le choix est immense. Ma dernière question à Ar Armeline. Euh, J'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous aviez suivi un MOOC sur l'intelligence artificielle. Euh, donc, ça va être l'objet de ma dernière question. Quels sont, selon vous, les impacts actuels et à venir de, de l'intelligence artificielle sur la formation dans la définition même d'un parcours de formation, dans la définition d'un parcours d'évolution de mobilité dans l'entreprise, ces outils d'intelligence artificielle pourront nous permettre à terme aussi d'affiner, ce seront peut-être des aides à la décision, mais sur des parcours de formation, la quantité de données récoltées qui peut être traitée, ce que humainement nous nous avons, plus de mal à faire, ce qui est tout à fait logique, et eh bien là l'intelligence artificielle va vraiment être un, un facilitateur, un moyen d'accompagnement pour pouvoir développer encore mieux, ou juste au moment, une fois encore, les, dé... les compétences pardon, de nos collaborateurs. Ce premier rendez-vous se, se termine. Merci encore, Armeline, de votre présence avec nous aujourd'hui. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous euh, au prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.